Qui est influenceur, qui ne l'est pas et comment le devenir? Je réponds à toutes vos questions aujourd'hui. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Une définition simple du mot influenceur, c'est une personne qui a une communauté qui crée du contenu autour d'une thématique. Donc ça, c'est hyper facile à retenir. Donc si vous voulez devenir influenceur, il vous faut trois choses. Une communauté, une thématique et du bon contenu. On va commencer par la partie communauté. Lorsqu'on parle de communauté, on pense vite aux milliers d'abonnés. Mais quel que soit votre nombre d'abonnés, je vais vous montrer aujourd'hui que vous pouvez être influenceur. D'ailleurs, Instagram reconnaît plusieurs types d'influenceurs. On a les nano-influenceurs, ceux qui ont 1000, 2000 abonnés. Les micro-influenceurs, c'est à partir de 5000 abonnés. Et les influenceurs reconnus par Instagram à partir de 10 000 abonnés. Ensuite de cela, vous avez aussi les méga-influenceurs, ceux qui ont 100 000, voire 500 000 abonnés. Et les superstars, ceux qui ont les millions d'abonnés. Donc à ce stade, tout le monde peut devenir influenceur, mais pour cela, il vous faut une chose, une thématique. Et c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Alors une thématique, c'est simple, c'est la chose à laquelle vous parlez. Comment vous créez votre contenu, de quoi vous parlez et de qu'est-ce qu'en fait on retrouve sur votre page aujourd'hui si on le visite. Donc la thématique la plus répandue en ce moment sur Instagram et sur certains réseaux, c'est le fashion, beauty and lifestyle. Donc vous pouvez avoir au moins 3 à 2 en tout cas thématiques. Ça va vous permettre de diversifier votre contenu et d'être expert dans votre domaine. Maintenant, pour être expert dans votre domaine, il faut créer du contenu. On voit ça dans la troisième partie. Alors pour créer du contenu, c'est simple. Il faut créer du contenu qualitatif. C'est-à-dire avoir du contenu qui peut en fait avoir de la valeur sur les gens qui vous suivent. Pour cela, il ne faut pas avoir une grande caméra ou un bon téléphone. Juste en fait avoir les bons réglages, mais aussi avoir du contenu qualitatif. Pour ça, je vous invite à faire des recherches, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest, pour être expert dans le domaine que vous avez choisi comme thématique. Comme ça, les gens en fait auront confiance sur vos avis, mais aussi vont se retourner vers vous pour les marques qu'ils doivent choisir et aussi les marques vont venir directement car vous allez en fait être à l'aise sur votre thématique. Donc voilà les trois choses qu'il vous faut si vous voulez être influenceur. Il vous faut une bonne communauté, une thématique et un bon contenu. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye!